Manger uniquement des aliments noirs et roses pendant 24 heures, c'est comme de la réglisse dans des cupcakes. J'adore. Ellie, Rina, ouvrez la boîte mystère. Oh, waouh! Rose pour Ellie, Rina, noir pour toi. Encore. Et encore. Un truc qui n'en finit pas. Attendez, des biberons? Ça a l'air délicieux. Allez, on essaye. Allez, les filles, on est sûres de ça? À la vôtre. Yolo! Que le défi commence. Les filles, regardez ici. Des friandises à la gelée. De la gelée de miel gommeuse pour Ellie. Miam, miam! Prends-en une bouchée. Ah, ok, les nounours, vous êtes à moi, à moi. Ouh, de la gelée pour Rina. Mais comment on va épicer les choses? Je veux dire, Ellie a des chewing-gums dans le sien. Réfléchis. Ah, j'ai trouvé. On va remplir cette bouteille de soda vide. Idée parfaite. Attention maintenant. On s'assure de ne pas mettre cette colle n'importe où. Allez, est-il là? Génial. Maintenant, des bonbons. Ah oui. Génial, et ça va dans la bouteille. Teinture noire pour la victoire. Un petit peu va très loin ici. Tout ce qui reste à faire, c'est de mélanger la délicieuse concoction. Shake, shake, shake. Ok, ça devrait être parfait. Il est temps de refroidir tout ça. Allez. Ellie, tu vas vouloir être témoin de cette grandeur. Regarde. Je vous présente. Waouh, ce super truc au coca. Allez, on en prend une bouchée. Tellement délicieux. Et super coloré. Ellie veut une bouchée. Hein? Oh, bien sûr. Ferme juste tes yeux et Rina va empresser un peu. Mais ce n'est pas de la gelée qu'elle te donne. C'est du dentifrice extra glacé. Oh, gars! Ah, j'aime pas. Des friandises, s'il vous plaît. Un petit arc-en-ciel. Un arrangement de délicieux chewing-gum. Ellie voulait quelque chose de comestible. Elle peut avoir un peu plus que Cédrina? Non, pas question. Oh, c'est le moment d'y aller, Rina. Ah oui, absolument génial. Maintenant, c'est une surprise. Mais je pense qu'il peut le faire fonctionner. Ellie, t'as de la chance. Il fait la version poppy de la friandise de Rina. Allez, on verse les roses. Les décorations sont un must. Oh, waouh! J'adore. Tellement de délices. Et c'est à peine terminé. Allez. Ici, attrape. Merci, l'homme mystère. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on creuse. Mais non, Rina. On ne va pas s'abaisser à ton niveau. On va partager notre délicieux repas avec toi. Tiens, prends la première bouchée. En dessous et dehors. Top! Ah oui! Tu devrais voir ta tête maintenant. On ouvre. Waouh! Regardez cette délicieuse pâtisserie. Rina, Ellie, vous avez du travail à faire. Un travail totalement délicieux. Vas-y, Ellie. Rina, ne recule pas. Bon sang, cette assiette n'avait aucune chance. Encore plus. Tout est parti, désolée. Ok, la balle de gâteau d'Ellie? Non, c'est une balle déguisée en gâteau. Et Ellie est sur le point de mordre dans cette friandise en caoutchouc. Je peux pas mordre. Oh! Et ça s'envole. Dans tous les sens. Oupsie!
Ouf, on l'a échappé belle. Tous les tiens. J'arrive. Ce qui tourne autour, tourne en rond. Prêt pour les friandises? C'est l'heure de la pastèque bébé. C'est ça, c'est trop cool. Allez, Heidi. C'est de la gelée. Maintenant. Ouvrez cette chose. Ça a l'air absolument délectable. Attaque à la gelée. Irina, il faut que tu essayes. Rien? Tu te moques de moi? Ok. Essaye encore. Voyons voir ici. Oh, des boules de chocolat. Quel délice. On mange. Les deux filles ont eu des snacks super délicieux. Irina, pourquoi tu n'essayes pas de te relever? Un cupcake. Est-ce que cette pastèque est sans fond? Avec des snacks? Pendant ce temps, les friandises d'Ailey sont toutes prêtes. Ah oui, donne-moi ça. Hey, voleuse de pastèques. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Ah oui, ce n'est pas Noël, mais tu as atterri sur une liste importante. Prends tout ça. Héros Arina, son distributeur automatique. Oh, quelle piste de secouer avec ça? Désolée, Heidi. Les filles, appréciez cette friandise super sucrée. Celle d'Irina est un peu intéressante. Elle a un pot de choc. Ouh, on pourrait enrober des pancakes 10 fois plus. Le plus délicieux des petits déjeuners. Faisons une pile. Ah oui, ça c'est l'idée parfaite. Hey, renversez la situation. Vous avez toutes les deux de très bons snacks. Oh, une râpe pour les Max. Intéressant. Je me demande ce que notre fille prépare. Mais je suis sûre que ce sera extraordinairement délicieux. Pendant ce temps, Rina empile les gâteaux. Hailey est une voleuse de piles. Oh, pas cool du tout. Elle les saupoudre avec ses éclats de macarons. Oh, maintenant que la couleur est rose, c'est ça, Hailey. T'es vraiment une fille intelligente. D'accord, tu gagnes celui-là. Je pourrais en prendre un autre. Ou deux. Double problème. La pile de Rina n'existera bientôt plus. C'est beaucoup trop tard. Rose a un gratte-ciel de crème et un ventre plein et heureux. Désolée, Rina. Les filles, vous avez une fontaine de chocolat personnelle. Trop cool. Si seulement Rina avait plus à tremper. Comme notre fille Hailey ici présente. Mais bon, ça sera quand même délicieux. Du chocolat sur du chocolat? Jamais une mauvaise idée. Allez, profite, princesse des ténèbres. Tellement bon. Oh! Hailey, à ton tour. Des friandises à la guimauve dans une fontaine rose? C'est quelque chose tout droit sorti d'un rêve. Désolée, Rina. Une idée? Rina prend une tasse. On va faire le plein de chocolat. Parfait. Je me demande ce qu'elle est en train de faire. Assure-toi que le chocolat couvre tous les côtés de la tasse. Et voilà! Tu as une tasse à bonbons. Remplis-la de chocolat. C'est sec! C'est un régal que vous ne pouvez pas battre. Wow. Et voilà! Hailey fait monter la température. Oh non! Alors, quand Rina va se resservir, sa précieuse tasse fond dans le néant. Regardez-moi ça! Un désastre! C'est tout un gâchis! Oh, c'est pas vrai! Pas cool du tout! Mauvaise idée! On retourne à tout ça? Ah oui, on y retourne! Sésame, ouvre-toi! Oh! Nuggets! Ah oui! J'ai jamais vu un Happy Meal comme ça auparavant! Servez-vous les filles! Les snacks sont tout à vous! Oh waouh, ils sont bons. Mais il manque quelque chose. Elle est prête à faire des folies avec la sauce. Ah, je l'ai.
La sirène peut l'aider. Banane piégée. Chris, attention! Trop tard. Waouh! Transformation ninja. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Elle attrape les bouteilles en l'air. Elle n'a pas manqué un battement. Nom d'un chien, c'est impressionnant. Kylie, j'abandonnerai bien maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Très bien, jusqu'à la prochaine fois.